Bonsoir, je suis GRK, le grand, le magnifique, le terrifique, l'incroyable, le sublimifique, paumé dans les terres de la frontière Borderlands sur Pandora avec mon cher ami Harry Balls. Bonjour. Bonjour. Vous avez décalé le temps, monsieur Balls? Très bien, très bien. Je suis le docteur Sen. Nous sommes sur le point de remplir une mission pour notre ami le docteur Z qui nous vient tout droit de TF2, visiblement. Enfin, faudra d'ailleurs que je regarde quel jeu est sorti en premier, Borderlands, premier du nom, ou TF2. Et donc, il faut qu'on aille buter les méchants qui sont dans le camp là-bas. Et ils ont l'air vachement bien installés avec carrément une petite, petit signe de casino. Oh, s'ils font des jeux d'argent. Oh, est-ce qu'on les masse au blackjack avant de les tuer? Non, on les dépouille et après on les tue. On fait à la Hitman, tu sais, on balance une petite pièce, il y a tout le monde qui va autour. Fais gaffe, il y a des skags. Du coup, on doit tuer tous les bandits simplement, c'est tout simple. Hein. Voilà, très simple. Hein. Justice coloniale. Hop. Mon but, c'est d'empêcher les skags de t'atteindre. Ah, j'ai plus de balles. What? Pourquoi je suis revenu au bureau? Non, laisse-moi revenir sur le jeu. Bah. Cet homme qui est... Je suis de retour. Le mec qui commence à lancer du porno sur son casque sans faire exprès. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Miski. Le Miski du futur. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un drone. Genre nous, on rentre, tu sais, sans... Genre, bonjour. Il y a des sentinelles, donc. Mais tu vas mourir comme ça, mon coco, hein, c'est... Mais... Voilà, critique, petite tête. C'est pas ce que je veux faire, hein. Voilà, critique, niveau supérieur. Laisse-moi ceux qui sont low PV, dépensent pas une balle pour ça. Y'en a un qui était loin, là-bas. Bah, y'en a pas qu'un, en fait. Attends, non, mais... Arrête de passer devant. Mais attends, mais moi, je voulais m'abriter, là. Ah, si je... Voilà. Putain, ça fait mal, sa mère. Ça en fait... Non, ça va. T'as pas une balle? Ouais, mais en fait, je crois que ça m'avait touché parce que... Ça... Putain, mais y'a un skag là qui est super chiant. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter ses compétences ou est-ce que c'est... Attends, je suis en train de récupérer des munitions. Oh. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'était juste pour le... Je prends de l'argent! Je prends de l'argent! Laisse-moi prendre de l'argent! De l'argent? De l'argent? Où ça, de l'argent? Ah, il y a un truc de... T'as besoin de soins ou pas? Non, moi je suis full life. Okay, j'ai pas pris un seul dégât. Bah moi il y a une grenade qui est tombée à côté de moi et genre... Ah, des sous. Pardon. Pourquoi ça sert là? On peut faire quelque chose avec ça? Il y a un fusil d'assaut, il y a un pistolet. Fusil d'assaut, c'est ça. Est-ce qu'il est plus puissant que le mien? Il a plus de dégâts mais moins de précision. Attends. Il y a un bâtiment là. Ah ok, là je peux voir le mien. Oh! Oh, il a quand même vachement plus de dégâts. Cette porte mène à l'arène. Ah ok, on peut avoir 3 armes. Attends. Oh, on peut faire du face à face, monsieur, ici. Attends. What? Ouais, viens voir. Attends. Il y a une arène en fait, souterraine. Enfin, probablement souterraine. Mais what? Mais attends, je sais pas où est passée l'arme que j'ai ramassée. Attends. Dans ton inventaire ou dans tes mains, littéralement. Attends, ouais. Je vais checker dans l'inventaire. Ah oui, c'est ça. Dans l'inventaire, dans l'inventaire. Ok. Ben, je vais tester cette nouvelle arme. Ouf, ouf, regarde. Oh, il y a une tête de mort sur mon viseur. Aussi. Oh, c'est pimp. Par contre, les balles de. Faut pas déconner. Parce que tu veux le pistolet ou pas? Plus ma secondaire. Non, j'ai déjà un pistolet largement assez pimp. Mais on pourra le revendre au pire. Mais je le prends. Tout à fait. Je tout se revend contre des sous. Ça y est, on a tué tout le monde. Il y avait pas un boss ici? Non, il y a pas de boss, je crois pas. Enfin, non. Enfin, on a tué tout le monde, hein, donc. S'il y avait un boss, il s'est fait. T'as loupé un peu autour ou pas? Il s'est fait. J'ai regardé un petit peu autour. Je crois qu'on a tout. On a tout pris, à mon avis. On a complètement pris la richesse. Bon, il reste des munitions pour toi, je crois. Ah, ouais. Je crois que je suis full. Ah, il y a un coffre là-bas. Il y a un coffre là-bas. Oui. De l'argent! C'était mon mien! C'est mon mien! Et les héros nationaux se sont entretués pour une lasse de 10 euros! Nous aurons entendu au loin un cri: C'était mon mien! Attends, mais il faut pas. Attends, faut retourner déjà? On a fini? Oui, ben on a tué tous les bandits, 8 sur 8. Ah, mais y avait pas une cave là-bas sur laquelle on était?
Mais c'était, c'est une arène pour s'affronter l'un contre l'autre. Ah. Et vu que je veux pas t'humilier, on va pas faire ça. Bah, on peut tester. Attends, mais est-ce que ça nous défense des vraies balles? Bah, je sais pas. Vas-y, on teste. Vas-y. Est-ce que ça va pas nous déconnecter de la partie? On teste. Ça peut fail. Ça va fail. Mais on prend le risque. Mesdames et messieurs, nous prenons le risque. Attends. T'as des balles, toi, t'es full? Ah, moi je suis full. Enfin, je suis pas full, mais j'ai mais pas de balles. Mais techniquement, si tu arrives à prendre ton avantage, tu pourrais me niquer facilement. Surtout que ton sniper, il est létal, non? C'est où? C'est là-bas. S'il était précis, il serait létal. Je sais que j'avais déjà fait ça avec un pote à moi. Mon portable qui me dérange pendant que je tourne. Il est incroyable. Quel est le... Ah, on doit se buter? Non, c'est ça? Attends. Ah mais si, je peux te tirer dessus là. Seul l'autre peut utiliser ceci. Eh hey. Pardon. Deux juste équipes. Je fais un test, hein. Prêt? Ah oui, je peux te tirer dessus. Ah, moi je suis prêt, ouais. Moi je suis fond. Bah du coup, attends. Mais comment que je fais? Ah là, ok. C'est prêt. Pas. Préparez-vous au combat. Oh. 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 Bon. Appréciable. Arrive pas. Ah, je cours. c'est délicieusement rapide. Bah alors Aribals, t'es sous pression, tu parles plus, hein, t'es sous pression contre quelqu'un qui sait jouer. Bah contre quelqu'un qui a un sniper alors que je suis en combat. Où est-ce que t'es? Mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Aou. Cours Non. Où est-il? Oh. Ça a des bouclier. Non. Ah, c'était pas loin. GR431 a connu une fin horrible. Ah, mais il y a plusieurs manches. Où est-il? Où est-il? Je le vois. Où est-il? Je te vois. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Il est pas derrière moi au moins. Qu'est-ce que c'est? What? Mais non. Restons silencieux. Sneaking Chris, le mec qui s'est cru dedans. J'ai pas de TV. Tu es mort, GRK. Merde, attends, on m'appelle. Heureux, excusez-moi. C'est le travail, vous savez, je suis extrêmement occupé comme personne. Bon, mais comme vous pouvez vous en douter, vous avez vu les deux manches, la troisième. Normalement, c'est trois manches, mais bon, comme on a dit, je suis au fusil d'assaut, il est au sniper. À partir du moment où je viens au contact, il est foutu. Ça que le fait que t'aies déjà rattrapé une arme meilleure que ton arme de base et que moi je suis toujours avec la première arme du jeu, quoi. Elle est pas forcément meilleure, hein. elle est juste plus létale, mais elle est censée être moins précise. Alors qu'il y a un viseur, bon, bref, elle est censée être moins précise. Venir au corps à corps, enfin je... Non bon, il me recte, il m'a recté deux fois, mais bon, de toute manière ça ne compte pas, on refera ça quand on aura des armes à peu près équivalentes. Dans des styles différents, bien entendu, hein. Il n'y a pas question que j'aille faire la plus de PV que moi, faut pas déconner quand même. Du coup, oui, fallait parler à... Z, c'est l'entretien de ce matériel. Allez, bien joué, voilà votre récompense pour ce petit travail. Ah non, c'est pas ça son accent. Bien joué, voilà votre récompense pour ce petit travail. Le conseil réalisera qu'il est aveugle ici. Nous serons déjà engagés notre prochaine action. Il a fini un peu espagnol sur la fin. Si. Il a aussi des origines. Il voulait pas dire. La bête de leur portail est mise à prix, mais il ne se laisse pas prendre. On ignore où est son repère. Allez voir Tekeba. Ça ferme au sud de Firestone. Il est aveugle, mais il connaît cette région comme sa poche. Il pourra peut-être vous aider. Yeah. Excellent. Nous allons voir un aveugle. Qu'est-ce qui se passe?
On va aller voir un aveugle pour qu'il nous guide. On est à quel niveau de désespoir? Vous serez bien content de m'avoir. Je vais prendre un petit peu de trucs de soin. On n'a pas un compte en commun, j'espère. Je sais pas, est-ce que tu vois ton argent descendre en live? Moi, je vais prendre deux trucs de soin. Vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir. Non, mais tu crois tout ce que tu veux, frère. On ne parle pas, hein. Il est mignon. Je crois que ça va comme ça. Bah oui, bah crois tout ce que tu veux. Crois tout ton sou. Alors, c'est où qu'il faut qu'on aille, là? Crois tout ton sou. Ok, bah c'est... Pardon. Après avoir exterminé tous les êtres vivants sur cette planète, on pourra rentrer chez nous. Ça va être sympathique. Je crois que c'est repop en vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis... C'est où? Loin. Bouge pas. Parce que je me suis reçu une petite balle. C'est un bandit sous l'art. Attends. Oh oui, c'est ça, approche de toi. C'est pas vrai. Ah, voilà, quand même. Oh putain, on me rappelle. Eh ben écoute, réponds, moi je m'occupe des bandits. Il y en avait qu'un en fait. Bon ben c'est bon. C'est Wanya. Raté. Gagné. Faut anticiper à mort quoi. Bordel. Non, on aura déjà vu mieux. Bon, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on s'est fait à peu près agresser et que j'ai pas réussi à mettre une tête et que je suis extrêmement frustré parce que la vélocité des Népal est genre lente. On m'entendait pas si? Non, on t'entendait pas. Oh, Kekabaha. Toi! Encore un pas et je te bute! T'aurais dû voir la gueule que t'as fait. Bah toi aussi du coup. T'aurais dû voir la gueule que j'ai fait. Ah, parce que toi non plus tu l'as pas vu. Pardon. C'est juste méchant. N'en fais pas pour moi, je sais me défendre. Je peux me débrouiller tout seul, tu vois. Tout va bien. Tu crois que je peux lui tirer son fusil à pompe de l'autre? Alors, récupérer la nourriture volée et la rapporter à Tekaba. J'ai tout entendu. C'est ça le prix de Skags dans ma bouffe. Toi, je veux pas savoir qui tu es, va me buter ces sous-merdes! Ils ont vité la moitié de mes réserves de nourriture, va leur reprendre ma bouffe! Après, si je suis pas calme, on... et je vois pas la suite, je ne sais pas comment qu'on... Page bas. Page bas. C'est à côté de la touche fin qui se trouve au-dessus de ta croix directionnelle. Ah, ils ont vité la moitié de mes réserves de nourriture, va leur reprendre ma bouffe. Après, si je suis plus calme, on pourra discuter. Ok! Alors attends, on est d'accord, on va aller chercher un truc pour ce mec qui s'est fait voler. Alors oui. Excuse-moi. D'ailleurs ce mec aveugle qui était censé nous guider. Merci pour ton argent. J'ai complètement... Surtout te laisse pas avoir par ces saloperies de bouffe merde de Scan. T'inquiète pas. Mais tout le monde croit que je suis tout seul, hein. C'est, c'est l'état là. Genre le sniper qui est là. Je suis là aussi. Voyons voir. Bon alors du coup il faut qu'on aille... Attends non mais c'est de l'autre côté en fait. Excuse-moi. Ouais, j'ai pas regardé la map en fait. Moi non plus, je suis parti en direction des autres skags qu'on avait déjà attaqué et que en fait... Les gars, oui, c'est de l'autre côté. Ah, qui m'attaque? Un skag, attends. Ah, ouh, ah, il est, je vois pas. C'est bon. Il est mort. Il était pas généré en fait. Genre pour moi je le vois là. J'ai besoin de docteur. Oui, je prends parce que j'ai plus besoin d'un petit peu de santé. Ça, par contre, c'est pas assez des balles pour toi. C'est totalement dégueulasse, je suis full life alors que j'ai été AFK pendant 10 minutes et genre qu'on m'a agressé dans tous les sens. Et skag partout. Mais grâce à qui? Alors, attends. Mais c'est pas vrai, comment je vais rater? Je vais faire office de barrière. Hein. Ah! Je l'avais pas vu celui-là. Dans le mille. C'est bon, je suis une bonne barrière? Pas mal. Et moi je suis trop loin en fait, ce sniper est pas assez précis ou alors il y a un problème quoi. Ouais, faudra le changer dès que tu pourras. Je pense vraiment qu'il est pas assez précis parce que j'avais vraiment la viseur. Un trophée ça. Nourriture volée, d'accord, ok. C'est des trucs qu'on doit trouver par terre. D'accord.
Oh, bah je vais prendre tes balles puisque tu les prends pas. Non, je suis full. Enfin, je peux pas les prendre apparemment. Bah, ok. Hop, qu'est-ce que c'est? Check par terre, hein. c'est par terre la nourriture volée. Tiens, et c'est un en fait, donc. C'est quoi, ouais. C'est des balles de quoi ça? Mais pourquoi je peux pas les prendre? Je suis pas full. Mais recharge si t'es pas full. Mais ouais, je sais pas, peut-être que ce fusil il a moins de. Il a moins de place que l'autre. Ouais. J'ai 3 skags là. Attends, ouais. Bouge pas. Bah, vas-y, tire sur un, je l'ai. Ah, mais c'est un jeune skag ça, je tire sur. Nickel, il est eu. Aouh! Toujours vouloir devenir meilleur. Argent! Argent! Voilà! On peut discuter. Alors, c'est quoi ça? Nourriture volée. Putain, c'est un gigot quoi. Bon, là, il y a des trucs. Des trucs sympathiques. Apparemment. Où est-elle? Et pourquoi je ne peux pas récupérer des munitions? Je ne comprends pas. C'est quoi que t'as ramassé là? Un flingue. Ah. Un flingue pourri comme les autres. Enfin, probablement pourri. Elle est où la dernière? Ah, c'est, okay. C'est bon, on a tout récupéré. Ah oui, on en a récupéré 4. Ok, nickel. Attends, je check s'il n'y a pas d'autres trucs par là-bas. Avant de continuer. Tant qu'on est là. C'est bon en fait, genre on a tout fait, non? Je pense. Et pourquoi je ne peux pas récupérer ces balles? Je perds des balles et je ne peux pas les récupérer. C'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas, peut-être que t'en as trop. Enfin, je. T'as combien de balles? J'en ai 3, enfin 200, moins de 200. Parce que ton inventaire est plein de balles, enfin je veux dire, c'est, enfin, t'as toutes les balles que tu peux porter. Ouais, mais j'en avais plus avant, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ça dépend peut-être de la taille du chargeur de ton flingue. Tu veux dire que la taille du chargeur, elle est pas... Hein? Bah, elle est pas standardisée, frère. Elle est pas standardisée. Si? T'as de la chance, je tire que sur des... Voir, Ivan. Enfin... Et une exception de temps en temps. Allez, hein. Ah ah! J'ai les orteils comblés. Le son des cadavres de Ska qui tombent sur le sol, c'est ma musique préférée. Tu m'as rapporté ma bouffe, hein? Merci bien. Alors comme ça, tu cherches la planque de 9 orteils. C'est dans la Skag Gouli. Vu comment tu m'as aidé, ça me fait plaisir de te rendre l'appareil. Ah, autre jour, autre combat. Acheter au moins une grenade puis revenir voir. Ok, Attends, il y a un truc qui me chiffonne. Là, on a atteint le niveau 4. Grâce à vous, je rouvre enfin ma succursale. Allez en ville et achetez-vous un peu de matériel tout neuf. Alors là, il y a du méchant. Attends, voyons voir si je peux faire quelque chose d'ici avec ce sniper. Moi, je pourrais rien faire avec mon truc. C'est passé juste à côté de sa tête. Y a pas un truc derrière nous? Mais non, mais il bouge au dernier moment. T'inquiète, toi fais les ennemis loin, je fais les ennemis près. Qu'est-ce que c'est? Oh là, il est là. Waouh. Mon bouclier. Critique. Il y en a encore un, attention. Oh, j'ai touché. Où ça? Là. Ah ouais. Voilà, quand même. Je récupère l'argent. Allez, bah, des sous. Des sous pour le party. Qu'est-ce que c'est? N'empêche, Borderlands, c'est tellement communiste, genre tu partages tout. On partage des richesses. Arrête de massacrer des bestioles et viens en ville. Je n'ai plus de balles. Attends, c'est quoi? C'est des balles de quoi? Ah, ça c'est des balles pour mon truc. Ok, c'est juste qu'au final les autres balles ce n'est plus les balles pour moi. Moi c'est un SMG que j'ai. Ok. Ah d'accord. Alors attends, parce que... Oh. Ceci explique cela. Toutes les bonnes affaires qu'on va faire. Ouais, j'arrive. Attends moi. Attends. Ceci est un marchand d'armes et il n'y a personne derrière le comptoir. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Sais-tu ce que ça veut dire? Sors du magasin pour me regarder.
Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire pillage! J'étais déjà parti. Hein. Putain, c'est aucune arme pour moi, c'est dégueulasse. Eh, hey, mais tu as pris les seuls trucs que je peux prendre. Salaud! Tu peux aussi t'approvisionner en munitions là. Mais je sais, sauf que c'est payant. Bon, ça va, on a des sous. Enfin. J'ai des sous. Oh! J'en ai plus que toi d'abord. Ah oui, faut se payer une grenade. Mais merde, j'ai la quantité maximale de grenades. Ouh, attends. Ça c'est un fusil de sniper, précision 96.7. Alors, moi, j'ai attends. 95, il me semble. Qu'est-ce que j'ai là? Un shotgun ou un sniper, d'accord, c'est un fusil sniper. J'ai fait un point de précision supplémentaire. El Matador. El Matador, bandissant. Mais terrible, on a pas le Matador. Mais on a pas assez de sous en fait, donc. Ça coûte combien? Attends. 800 aussi. 1500, il y en a. Bah, moi j'ai 1100. Hein. J'ai un peu moins de sous. Moi j'avais 1600 tout à l'heure, mais j'ai dépensé un peu de. Ah, mais attends, on peut vendre aussi. Ah, mais c'est vrai, on a du stuff à vendre. Et oui, exact. Ma gueule. C'est lequel celui-là? Celui-là, c'est celui que j'ai équipé, ok. Donc je peux vendre mon pistolet de merde là. À 28, bon, c'est pas ouf. Et je peux vendre mon ancien pistolet à 43, mais je vais le garder au cas où. C'est tout ce que j'ai équipé. Ok, nickel. Good enough. Des bon. Sous! De l'argent! Du coup, on doit retourner voir l'autre aveugle là. Genre, alors attendez, j'ai juste une question. Qui est Amanda Ray, 21 ans, 128 kilos? Attends, c'est peut-être pas des kilos. C'est, vu que c'est en américain, peut-être que c'est des livres. Attends, mais c'est les Anglais qui comptent le poids en livres. Enfin, la masse en livres. Comment tu le disais au départ, j'ai cru que c'était genre un profil Tinder, un truc comme ça. Amanda Ray, 21 ans, à la recherche d'un beau mec. Missing love, tu sais. Intéressant. Killscan 21 ouais. ans, 128. Mais t'es sûr que c'est les kilos? Non, je ne suis absolument pas sûr que ce soit les kilos. C'est 128 grammes, ça fait pas énorme, mais. Non, mais c'est peut-être genre une autre unité, genre les livres ou quelque chose comme ça. Attends, mais. Ah oui, il faut aller retourner voir le vieux. Oui, le vieux aveugle là. Ah. Ah, attends, mais il y a du monde. Oui, encore des gens. Gens. Cette tête sortie de nulle part. Je les agresse, je vais au cac, ma gueule. Ah, mais il y avait toi aussi. Un coup d'anthologie. Bien, continue. Ah, ça c'est le bruit de t'es pas contre le sol, en fait. C'est ça. Ah. Ah. C'est mes nouvelles bottes, elles grincent un peu. Bah, je t'en prie. T'as de la chance, je tire que sur des scales. Ok, c'est bon, on a la grenade. T'as une ou deux grenades? Super, ça va te servir. Bon, reste plus qu'à aller voir à la Skagoulie pour en envoyer une à neuf orteils. Ok. Alors, nickel. J'ai juste un truc à dire. Chaque fois que tu lis un de ces textes, tu changes d'accent. C'est terrible. Ah. Le mec, là, il a eu trois voix, il est complètement schizo. Mais ça lui correspond bien, hein, je... Allez, hey. Pourquoi tu viens pas voir? On discute un peu. Y'avait rien dans la poubelle. Trahison. Trahison. Bon, je te propose qu'on arrête l'épisode ici. Le vol pour les abonnés. Excellent. Eh ben je t'en prie, c'est toi qui fais l'outro vu que j'ai fait l'intro. Au revoir. Un peu violent.